Bonjour à tous. Oh mon Dieu, je suis toujours fébrile les mardis, Ça me, ça, ça me stimule tellement de faire ces lives-là à toutes les semaines. Euh, ce soir, on a un super de beau sujet. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Je vous invite dans les commentaires à me faire un petit coucou si vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir. Puis j'ai le goût de commencer un petit peu avec un varia. Je ne sais pas quel genre de semaine vous passez, mais moi aujourd'hui, ça a été une journée un petit peu. Euh, Émotive, particulières. Euh, on parle d'espoir ce soir, c'est drôle parce que en ce moment j'en ai vraiment besoin. Mais euh, aujourd'hui j'avais une rencontre avec des gens, euh, un groupe de, de femmes en affaires, euh, un réseau de femmes en affaires. Puis euh, on a eu des super, de beaux partages sur euh, les relations entre les femmes entrepreneurs, à quel point on est là pour s'entraider, se supporter tout ça. Fait que je trouvais ça super intéressant comme sujet. Puis ce matin, j'avais un petit examen médical, une, une échographie, parce que j'ai une petite bosse qui a poussé à mon poignet. Puis on pensait que c'était un kiss, puis euh, finalement, ce ben, c'est pas ça. Fait qu'on va investiguer un petit peu plus loin la prochaine étape après la radio, après l'écho, c'est l'IRM et potentiellement une biopsie. Mais... Euh, mon médecin de radiologiste m'a dit de pas m'inquiéter pour le moment et tout ça. Fait que, bref, c'est certain que c'est un stresseur par rapport au fait que c'est ma main droite. Je peins de la main droite. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Puis, ah, qui est là? Ah, je vais regarder où je vois. Bonjour Sylvain, c'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers d'Aro. Ce soir, on va parler de l'espoir, un carburant renouvelé sans cesse. Puis là, je fais un petit peu une prémisse le temps que les gens se connectent et tout ça. Puis je partageais un peu là, le genre de journée que j'ai vécu. Puis j'ai aussi appris qu'un ami qui est cher à nous est très, très malade. Euh, donc, euh, je lui envoie, Pierre, mes pensées sont avec toi. Euh, puis euh, c'est ça. Fait que bref, l'espoir, hein, c'est. Il y a une phrase qui me vient en tête tout de suite qui dit Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis euh, euh, on va challenger ce, ce sujet-là ce soir. J'ai bien bien hâte de, de, de voir le tout avec vous. Puis euh, la prémisse, dans le fond, je commence toujours aussi avec un petit varia de, de ce qui se passe dans l'environnement d'Aro. Euh, il y a toujours le livre pur que vous pouvez aller télécharger. Je mets toujours le lien dans les commentaires là, après le live. Euh, si jamais vous voulez voir les détails, je vous partage à l'instant la bannière. Donc, euh, offre.arroartist.com slash pur et euh, en, en allant sur ce site-là, vous pouvez télécharger gratuitement la version numérique de mon livre qui est un recueil de textes et d'œuvres magnifiques euh, dont l'œuvre que j'écris pour Michel Obama. Donc, je vous invite bien sûr à aller le télécharger. Puis, je ne sais pas si vous avez pas, vu passer sur mes différents réseaux sociaux un super événement le 14 avril prochain à la Galerie Arrow, ma galerie de Stoneham. Un événement avec sept conférenciers, sept autres conférenciers euh, invités euh, où on va parler de l'acceptation de nos différences. Et euh, c'est euh, vraiment une soirée que je, je chéris, que j'ai très, très hâte d'accueillir. Ça va être euh, grandiose dans, dans le contact, dans la connexion de l'humain. Puis, c'est une des raisons pour laquelle je fais ce que je fais, que je peins. Et là, d'accueillir les gens dans mon environnement à travers les œuvres de ma nouvelle collection qui va être présentée plus tard en mai. Mais ceux qui vont se présenter à l'événement le 14 avril auront la possibilité de voir ces œuvres-là en primaire. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien aussi dans les commentaires pour que vous puissiez euh, allez voir tous les détails de l'événement. Puis si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tout ce qui touche 14 avril, acceptez sa différence. Des conférenciers comme Jean-Marie Lapointe, Jean-François Lacasse, Robert Savoie, euh, Rémi Tremblay, qui est un homme extraordinaire, euh, le fondateur de la Maison des leaders. Fait qu'on va échanger euh, sur un sujet fort d'actualité. Fait que euh, ça va être vraiment un bel événement. Fait que ça, c'est un peu le variant euh, ce qui s'en vient aussi pour Arrow, ce week-end, je, je monte ou je descends à Montréal, je ne me souviens jamais dans quel sens je dois le faire, mais une chose est sûre, je vais à Montréal avec mon conjoint, on s'en va livrer toutes les œuvres sur pièces automobiles pour un tournage de l'émission « Derrière le volant » à RDS. Euh, donc, les tournages vont avoir lieu la semaine prochaine. Euh, je vais assister à ces euh, tournages-là. Je vais avoir la chance de rencontrer des gens vraiment extraordinaires. J'ai reçu la liste de quelques-uns des invités de l'émission. Avec lesquels je vais être peut-être appelée à échanger là, sur mes œuvres ou à commenter, en tout cas les pièces automobiles d'aro. Fait que ça va être diffusé à partir, je pense, du 12 avril sur RDS, l'émission Derrière le volant. Fait que c'est une nouvelle expérience, une première expérience télé pour moi, là, autre que les entrevues des journalistes. J'ai vraiment hâte de voir le, la, la, la vie sur le plateau, le tournage et comment est-ce que je vais pouvoir... Euh, Vive tout ça, Allô, jacinthe, je suis contente que tu sois avec nous ce soir. Je vous salue tous. Ça me touche toujours beaucoup les commentaires. J'ai reçu un commentaire cette semaine de quelqu'un qui a écouté en replay mon live de la semaine dernière, puis elle me disait à quel point ça lui avait fait du bien. Puis j'ai une autre personne qui m'a contactée pour dire qu'elle avait écouté deux fois de suite pour vraiment assimiler là, les, les, les informations que je transmets. Fait que c'est toujours basé sur... Ma, 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 ma bonté de partager des expériences de vie, d'être dans la transparence. Puis je me dis toujours si ça peut aider une personne, bien c'est tant mieux. Fait que ce soir, on va tomber tout de suite dans le vif du sujet de l'espoir, un carburant renouvelé sans cesse. Puis pourquoi j'ai appelé le titre de, du live euh, Carburant renouvelé sans cesse C'est que on a besoin de prendre soin de soi. Puis l'espoir, pour moi, euh, fait partie de toute la vision. Le mot espoir, moi je le définis en désir, nos attentes, nos aspirations, euh, nos, les possibilités qui s'offrent à nous, euh, notre niveau d'optimisme face à la vie, face au ch notre chemin de vie, tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de nourrir, hein, d'alimenter. Euh, puis je le fais un peu comme un moteur, tu sais, où notre cœur, Ben, on a besoin de l'entretenir, on a besoin qu'il marche. Puis pour moi, l'espoir. T'sais, je le disais en débutant tantôt, tant qu'il y, tant qu y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis, euh, on a besoin de croire que les, 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 les périodes difficiles qu'on peut vivre vont passer, puis que le soleil va revenir. Puis, personnellement, ben, j'ai vécu beaucoup de situations dans ma vie où l'espoir a été un moteur pour regarder en avant, un moteur pour continuer. Puis, euh, j'avais le goût de vous partager. Tu sais, un peu le parallèle avec la création. Quand je peins, euh, je suis vraiment dans un état, euh, pas méditatif, mais tu sais, je, suis, je suis seule, euh, je suis dans, dans un environnement, parfois silencieux avec ma musique et tout ça. Puis c'est un moment où je prends du recul et je me dépose. C'est comme si la vie m'amenait à faire un frein, un stop, puis là, dire OK, comment tu, comment tu vas, comment tu te sens. Puis euh, souvent dans ce processus-là de, de peinture et d'écriture, comme vous savez, ben je vais aussi déposer mentalement mes aspirations mes intentions j'envoie des messages à l'univers j'identifie mes besoins euh, qui sont à combler ou euh, les peurs qui m'habitent et tout ça puis tu sais pour moi l'espoir c'est aussi de croire puis croire ben tu sais je veux pas tomber dans l'aspect spirituel de de pas, pas, pas spirituel mais euh, religieux de la foi mais euh, la vie m'a amené à plusieurs reprises euh, à réaliser qu'il y a des forces, des fois supérieures, qui sont alignées pour nous, euh, nous guider ou pour nous dire qu'on est sur le bon chemin ou on reçoit certains messages. En tout cas, moi, je le, je le vois beaucoup de fois dans la synchronicité des choses. Puis l'espoir dans ma vie personnelle, ça a été quelque chose qui a été important parce que, euh, je vous l'ai déjà mentionné, j'ai vécu beaucoup de maladies autour de moi euh, avec ma mère. Euh, et euh, pour moi, l'espoir, de la guérison euh, et aussi quelque chose qui nous, nous permet de, de, de cheminer à travers cette douleur-là qui nous accompagne du risque ou de la part de perdre des êtres proches. Euh, mon conjoint qui est euh, atteint de la sclérose en plaque, ma mère qui avait cette même maladie-là, euh, pour moi, j'ai l'espoir aussi qu'un jour, on va trouver une cure, on va trouver un remède à la sclérose en plaque euh, et à d'autres maladies actuellement là, qui sont. Euh, qui sont traitables, mais qu'on ne peut pas en guérir. Euh, Puis, pour moi, l'espoir, c'est aussi euh, une forme de soleil que, que je suis capable de, de voir, ben, je dis dans mon cœur, mais c'est toujours le regard que supporter les épreuves, parce qu'il y a des moments où on vit des, 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 des grandes pressions, des grandes périodes d'épreuves, des grandes périodes de noirceur. Puis de supporter euh, cette, ces épreuves-là, euh, ça prend aussi une forme d'espoir euh, que les choses euh, vont un jour euh, revenir. Puis actuellement, euh, je vis aussi des périodes d'insécurité. Euh, tu sais, la fluctuation des revenus dans le marché de l'art, c'est toujours un enjeu euh, pour les artistes et euh, d'avoir la foi, de croire et d'avoir l'espoir que les cycles... Euh, qui sont plus tranquilles, ben, vont être suivis de cycles qui vont être plus euh, animés, euh, que je vais atteindre les objectifs que je me suis fixés, euh, que la, la vie va placer les résultats que j'ai lancés dans l'univers avec l'ensemble des efforts que j'ai faits. Puis dans le comment euh, alimenter l'espoir, ben, je vais en parler un petit peu plus loin euh, tantôt. Puis je vous invite de, à rester jusqu'à la fin parce que je vais euh, vous partager une vidéo que j'ai montée il y a quelques temps. Concernant euh, une rétrospective de mes six ans de carrière. Puis, c'est drôle parce que je le écouté tantôt pour préparer là, la, la, le live d'aujourd'hui. Puis, je me disais, My God, tu sais, quand on. Ça va ça amener juste à prendre conscience que de regarder ce que l'on a, de regarder ce que l'on a accompli au lieu de ce qu'on ce qu veut qu'on n'a pas ou de ce qu'on désire qu'on n'a pas, euh, ben, de changer notre perspective, le regard. Puis, euh, ça a été une prise de conscience encore là. Euh, pour moi aujourd'hui, simplement de réaliser que l'espoir euh, que les choses vont, vont bien aller, ben quand on regarde le chemin qu'on a traversé à ce jour, bien, souvent, en tout cas, moi, ça m'apaise de dire, hey, au lieu de regarder où tu veux aller puis que tu n'es pas rendu, regarde le chemin que tu as parcouru. Puis pour moi, c'est quelque chose qui euh, vient vraiment. Euh, m'aider à nourrir cet espoir-là, puis à continuer à avoir le goût d'avancer, parce que pour moi, l'espoir, c'est le moteur, hein. c'est ce qui nous aide à avancer, puis à, à, à être dans l'action. Euh, en 2023, je l'ai déjà mentionné, mais je, je fais toujours en début d'année un tableau de visualisation avec mes, mes projets, mes intentions et tout ça, puis je pourrais peut-être éventuellement faire un live pour vous parler de l'art de la visualisation. Puis, euh, un des mots que j'ai mis dans mon tableau cette année, c'est la spiritualité. Puis, pour moi, l'espoir, euh, tout le côté spiritualité, m'amène à, à se connecter à ce quelque chose qui est plus grand que moi, à voir le beau dans tout, à trouver aussi une paix intérieure dans l'ensemble de ce que je fais, puis être capable de me gérer, gérer mes émotions, gérer euh, mes doutes, euh, puis réussir à m'auto, sans dire mauto fuir mais à m'auto... Euh, ben, ben, dans le fond, je le vois comme de la bienveillance, euh, définitivement. Puis pour moi, l'espoir, ben, c'est de croire en la vie. C'est voir que l'humain est foncièrement bon. Euh, pour moi, l'espoir est associé à plein, plein de choses. Puis je vais vous en parler un petit peu euh, tantôt des parallèles que j'ai faits. Parce que quand je travaille un thème pour un live, je fais quand même beaucoup de recherches. Je regarde les livres que j'ai lus sur des thèmes connexes. Euh, je vais venir me nourrir, je vais écouter ce qui monte en moi, je vais identifier tu sais aussi ce que je vais avoir le goût de vous partager. Puis, il euh, y a euh, une histoire que j'ai le goût de partager, puis qui va faire un peu un parallèle à euh, le fait de croire, mais euh, c'est une histoire qui m'a été partagée à l'École d'entrepreneurship de Beauce par Marc Dutille, qui est le fondateur de l'École d'entrepreneurship, puis le président du Groupe Canard. Puis, il nous racontait, puis là, ça se peut là, que je, 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 je passe certains détails ou autres, mais je vais tenter de résumer son histoire. Mais je sais que l'ancêtre qui a bâti la maison où il habite actuellement est un ancien pilote d'aéronef dans le temps de la guerre. Et euh, à un moment donné, il était en mission, cet homme-là, et il est tombé. Son avion a été euh, attaqué et l'avion a craché euh, la, du côté du territoire ennemi. Et il a été fait prisonnier hein, de guerre et euh, il a été envoyé dans un genre de camp de concentration avec des conditions vraiment lamentables. Et ils étaient plusieurs qui ont vécu cette situation-là. Et euh, il, a, il a survécu euh, à ce, ce, cette, cette étape-là de sa vie. Et euh, à un moment donné, un journaliste qui l'interviewait, puis euh, tu sais, il disait, ben, c'était quoi les conditions? Ben, il dit, on était dans un petit cubicule là, sur de la terre battue puis euh, très, très limité au niveau de l'eau, pas possibilité de se laver, etc. Puis, euh, il dit, comment vous avez géré ça? Ben, dit, dans mon cas, ce qui a fait que j'ai survécu à cette épreuve-là, ça a été de vivre chaque jour dans le moment présent, à tenter de me développer une certaine routine et surtout à euh, rester dans l'instant de « je suis encore en vie », il y a de l'espoir et on verra plus tard. Mais là, il restait dans l'instant présent de définir ses besoins puis d'essayer de se faire une certaine routine avec tout ça. Puis, euh, puis finalement, il est resté là-bas sept ans. Euh, c'est pas sept jours, c'est pas sept heures, c'est sept ans de sa vie. Puis moi, quand il racontait ça, il, il, le, le journaliste lui demandait à cet homme-là, il dit « Comment vous avez survécu? » puis, pourquoi les autres n'ont pas survécu? Puis il dit, il dit les optimistes qui espéraient toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne les libérer euh, étaient tellement déçus de jour en jour qu'ils sont décédés, qu'ils sont morts finalement en renonçant à survivre, en renonçant à se battre. Et ceux qui étaient réalistes, comme moi, qui vivaient l'instant présent avec, oui, l'espoir d'eux, mais sans de la. Les attentes qui viennent avec simplement lançant dans l'univers que chaque chose arrive pour quelque chose puis etc. Puis quand il raconte cette histoire-là, moi ça m'a juste fait réaliser la résilience qui nous habite. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à passer à travers des situations, des périodes de noirceur euh, et euh, comment on se relève toujours Puis euh, pour moi, ben, l'espoir a été quelque chose qui euh, résonne en moi, je pense, pour plusieurs raisons que je vous ai mentionnées là, par rapport à mon passé, mon bagage et tout ça, puis qui se reflète dans mes œuvres. Puis aujourd'hui, ben, j'avais le goût, entre autres, de vous montrer une œuvre qui s'appelle Espoir. Je vais me un petit peu. C'est une œuvre qui est vendue, qui a été créée il y a quelques, il y a deux ans. Euh, en format 48-48 qui a été vendu euh, chez un fauteuil pour deux. Mais j'avais le goût de vous lire les, son histoire parce que quand je vous dis que les sujets de mes lives proviennent de, de mes œuvres, de mon processus créatif, quand je suis tombée sur le texte tantôt, je me suis dit, oh my God. Fait que je vous lis le, le texte de l'œuvre Espoir. L'espoir, cette pensée qui nous fait avancer, qui nous permet de croire que tout est possible. L'espoir de jours meilleurs, l'espoir de guérison. Je crois fondamentalement qu'il y a des choses plus grandes que nous, qu'elles sont là pour nous protéger, pour aligner nos désirs avec une synchronicité désarmante. J'ai l'espoir d'un monde meilleur, d'une meilleure collaboration entre les gens et d'une solidarité à toute épreuve. À mon sens, l'espoir n'est rien si je ne remplis pas ma part de contrat. J'ai une responsabilité d'agir, de donner le meilleur de moi chaque jour et de grandir toujours. Bienvenue dans mon univers. Fait que ce texte-là est écrit il y a facilement deux ans. Et euh, en préparant le live de, euh, du thème de ce soir, je suis tombée sur le texte. Puis j'ai fait comme. C'est vraiment quelque chose qui est important euh, pour moi. Puis, euh, tu sais, quand on se laisse influencer, bien pas se laisser influencer, mais. J'essaie de prendre un certain dégagement avec tout ce qu'on entend dans les nouvelles et tout ça, parce que sinon, je, en tout cas, personnellement, je ressentirais une certaine morosité. Puis quand je suis dans le processus de la création dans mon studio avec ma musique, ma peinture, puis que je viens déposer quelque chose sur le canevas, je suis vraiment habitée par l'espoir que la jeunesse est belle, que les technologies vont nous rendre service à des moments clés de nos vies, que. Euh, il y aura de l'équité, hein, que tous ceux qui ont besoin plus que les autres seront, auront accès à ça dans la mesure euh, du possible. J'ai foi en la justice, hein, l'espoir qu'il y a une justice puis que justice sera rendue. Tu sais, ma mère elle me disait souvent, elle dit Quand tu craches en l'air, ça te retombe tout le temps dessus. J'essaie de faire vraiment attention à mes pensées, à mes propos, à ne pas tomber dans le jugement, à, à garder mes commentaires pour moi et de comprendre qu'on a toute notre vérité puis euh, qu'on ne peut jamais ressentir et vivre ce que les autres vivront parce qu'on n'a pas leur vécu, puis on ne porte pas leur, 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 leur bagage sur, sur, sur nos épaules, mais de réaliser finalement que euh, je vois le beau chez l'humain. Puis il euh, y a quelqu'un qui me disait, tiens Caroline, tu as tendance à voir le verre à moitié plein tout le temps. Puis c'est quelque chose qui me nourrit. Euh, tu sais, quand on parlait du carburant renouvelé sans cesse, moi... Euh, le, le, le concept d'être de, de, ben, positive, euh, de tenter de voir le beau à travers euh, ce que je vis, c'est des choses qui euh, alimentent finalement mon espoir. Puis, je le répète, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Ben pour moi, ça me permet simplement de vouloir continuer à avancer. Puis, pour moi, l'espoir, c'est aussi que la créativité qui m'habite va rester. Euh, Qu'elle va continuer à me nourrir puis à vouloir jaillir à travers les gestes que je pose dans, dans la création. L'ingéniosité aussi. Euh, je pense qu'on est en constante évolution, puis notre façon de réagir à cette évolution-là, on peut rester dans un carcan du passé ou suivre le mouvement puis go with the flow. Puis pour moi, ben, j'ai l'espoir finalement que le futur va nous aligner au bon endroit. Puis, euh, tout ce qui est la bonté humaine, comme je vous disais tantôt, j'ai l'espoir que l'humain est foncièrement bon. Fait que quand on entend des histoires atroces euh, de fusillades dans des écoles ou euh, peu importe tout ce qu'on entend dans les derniers temps, il se passe tellement de choses. Il y a beaucoup de gens en détresse. Ben, moi, je me dis j'ai l'espoir d'un monde meilleur. J'ai l'espoir qu'il y a de la compassion et qu'on va être capable d'aider ces gens-là qui sont en détresse. Puis euh, un des éléments dans ma réflexion sur le live de ce soir sur le comment alimenter l'espoir, euh, ben une des choses que j'ai réalisées, c'est que c'est important d'avoir des objectifs. C'est important de savoir où on a le goût d'aller, qu'est-ce qu'on a le goût de réaliser. Puis là, je vais vous enlever ça, excusez-moi. Puis, euh, c'est super important. Puis, tu sais, je ne sais pas si ce que je vous dis, ce que je vous partage, ça fait du sens. Si vous êtes encore avec moi, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, envoyez-moi un petit thumbs up ou autre. Mais euh, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que mes œuvres sont positives, les histoires que j'écris, je tente au mieux de déposer avec un regard, puis l'espoir est souvent teinté dans, dans le processus. Euh, un des éléments aussi pour alimenter l'espoir, c'est de s'impliquer, euh, s'impliquer dans notre vie, s'impliquer dans les choix qu'on fait, se donner le droit d'être et de faire et euh, de vivre ce que l'on a le goût. Euh, J'ai le goût aussi de vous dire ben, d'être dans l'action, de faire le premier pas. Euh, pour moi, l'espoir est un moteur de mouvement. Euh, le rond qui était présent dans l'œuvre que je vous ai montré tantôt qui s'appelle Espoir, ben, encore là, je vous ai déjà parlé de la symbolique du rond, puis je peux le refaire. Mais le rond, pour moi, signifie le mouvement, la continuité. Euh, le, la, la, la réciprocité, euh, c'est tout un enchaînement euh, de, de, de gestes, de pensées et autres. Ah, merci, Jacinthe, c'est gentil. Euh, fait que c'est ça, fait que pour moi, euh, l'espoir, ben, c'est de s'entourer aussi de gens qui sont bons pour nous, de gens qui croient en nous, des gens qui euh, vont nous propulser, qui vont nous donner l'énergie d'avoir le goût de se battre, euh, des gens qui vont nous propulser, qui vont nous tirer par le haut au lieu de, de nous tirer par le bas. Euh, je vais chercher aussi beaucoup de réponses et je me nourris beaucoup euh, à travers la lecture. Euh, J'aime lire, je, je lis beaucoup et euh, il y a toujours un livre, une phrase, une pensée qui va venir me faire... Euh, vibrer à l'intérieur puis qui va comme me donner les réponses que j'ai lancées à l'univers euh, souvent en train de peindre euh, j'aime aussi euh, m'inspirer des autres euh, pour moi euh, ça ça nourrit l'espoir d'une vie meilleure quand je regarde des gens que j'admire vivre euh, ce que j'aimerais vivre euh, je me je me réjouis de voir que ça existe puis j'ai le goût moi aussi euh, d'atteindre euh, ça ou de vivre ça ou d'être bien comme ça puis euh, un élément que j'avais le goût de, de, de vous partager, c'est que dernièrement, euh, ben, on a toutes des croyances limitantes. Moi, j'en ai un champ et une bâche, souvent, parce que j'ai l'impression d'avoir à dire. Puis dernièrement, j'ai fait un, un, J'ai eu un accompagnement en PNL, qui est en programmation neurolinguistique. Puis, euh, dans l'exercice de cette PNL-là, c'est drôle parce que les mots qui ont été nommé écrit à la fin du parcours de trois euh, séances c'est puis je vous partage en toute humilité les mots euh, que j'ai réussi à nommer à travers euh, ce parcours là puis ça dit ça commence par je veux croire c'est tu sais, pour moi l'espoir et croire c'est des mots qui sont très très reliés ça dit je veux croire que j'ai tout en moi pour être heureuse et que je n'ai pas besoin de mériter la reconnaissance des autres pour me sentir bien fait que cette phrase là euh, moi tu sais je suis retombée dessus elle est en post-it j'ai plein de post-it autour de moi mais elle est en post-it puis j'ai besoin souvent de me ramener dans de, de faire taire mes peurs puis pour réussir à les faire taire ben, c'est de faire confiance puis de faire confiance ben ça passe par l'espoir fait que il y a, y a comme plein de choses qui sont liées à travers tout ça fait que je ne sais pas si ça résonne en vous mais euh, moi, c'est toujours des petits sujets. J'essaie de faire des lives qui euh, vont vous donner une petite pépite d'or ou quelque chose avec lequel repartir. Si c'est le cas, ben, c'est merveilleux. J'ai le goût aussi de vous dire que, euh, comme je vous dis, je vais faire une rétrospective de ce qui est offert à vous dans l'univers d'Arou. Il y a le livre pur recueil de textes que vous pouvez aller télécharger gratuitement. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des œuvres qui vous intéressent ou une œuvre en particulier ou d'échanger avec moi sur différents sujets, de demander sur la page d'accueil du site web d'Aro, euh, d'aller euh, télécharger ou d'avoir accès à mon agenda pour prendre une rencontre virtuelle gratuite de 30 minutes. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les gens. Et c'est toujours aussi possible de me rejoindre en tout temps pour visiter la galerie. Euh, peu importe qu'il y ait une exposition ou pas, j'ai toujours des œuvres de, euh, disponibles sur place. Euh, je peux vous présenter certains travaux, euh, puis euh, certaines pièces, échanger avec vous, vous montrer l'environnement dans lequel je peins. Euh, C'est toujours des superbes, de belles rencontres. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez éventuellement venir visiter ma galerie en privé. Et là, ben, la semaine prochaine, on va avoir un autre live, mardi 19h, le lendemain de mon shooting photo pour ma prochaine exposition qui s'appelle Non Négociable. Je vais vous en reparler mardi prochain parce que je suis certaine qu'on va vivre un, un beau moment de création avec mon équipe là, à la photo, maquillage, coiffure et tout ça. Les vêtements que j'ai trouvés, les, les œuvres sont magnifiques. J'ai tellement hâte de vous présenter cette collection-là. Je ne me... Peu plus, euh, je vais pouvoir vous en parler là, dans les prochaines semaines plus longuement pour vous fournir les dates de l'exposition, la soirée du euh, vernissage et autres. Puis tous mes collectionneurs vont avoir aussi la possibilité de visiter cette exposition là en primaire mondiale. C'est vraiment le cas avant hein, que les œuvres partent pour les États-Unis, le reste du Canada. Euh, je vais avoir la chance de vous présenter à Québec, euh, mes œuvres. Puis la semaine prochaine, le sujet, le 4 avril, mardi 19h, tous les mardis 19h, mais la semaine prochaine, on va parler de l'art de la gratitude. Fait que ça, ça va être le fun aussi. Euh, on va partager, ben en tout cas, je vais vous partager euh, des expériences de gratitude, euh, des lectures euh, qui ont eu un impact dans ma vie, puis euh, mon rituel de gratitude aussi. Fait que je vais aborder ce sujet-là. Puis si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde plus spécifiquement, hésitez pas à m'écrire que ce soit dans les commentaires en réécoute ou autre, ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions puis surtout d'avoir de, de, la possibilité finalement là de, de, de vous de discuter de sujets qui vous intéressent. Fait que hésitez pas. Puis euh, j'ai même eu la réflexion peut-être éventuellement d'avoir des invités euh, dans mes lives euh, que ce soit mon photographe pour parler de l'image ou euh, euh, de parler d'avoir d'autres artistes où on peut échanger sur différents sujets. Fait que si c'est le genre de choses qui vous intéressent, ben hésitez pas à me le dire, me le laisser savoir. Puis, euh, mon objectif, c'est réellement de créer du contenu euh, à valeur ajoutée pour vous, euh, de vous faire entrer dans mon univers, euh, de vous inciter à aller voir euh, mes œuvres créatives, euh, de lire les textes de mes œuvres, puis euh, qu'on puisse apprendre à connecter, à se connaître. C'est la raison pour laquelle je fais ça, pour faire du bien. Fait que si ça vous fait du bien, bien faites-moi des « thumbs up », laissez-moi le savoir. Puis, euh, si, ben, il n'y a pas de questions pour le moment, fait que je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine à venir. Euh, que du plaisir, de l'espoir. Nourrissez l'espoir qui est en vous. C'est comme une fleur, ça a besoin d'eau. Euh, donc, arroser l'espoir, euh, puis euh, tentez, là, de, de, de... À la limite, partagez moi-même vos, vos histoires. C'est toujours euh, très, très instructif euh, et j'apprends constamment. Fait que je vous embrasse. Je vous souhaite une belle... Hey! Je suis en train d'oublier. Je vous ai dit que je vous ferais jouer une vidéo. Puis là, ben, je suis partie dans mes choses, puis tout ça. Mais je vous fais jouer la vidéo euh, de la rétrospective de mes six ans de carrière. Puis je vais faire la conclusion juste après. Fait que quittez pas. Ça, je vais sortir de l'image pour vous faire jouer la rétrospective qui dure une minute. C'est 60 images en 60 secondes. Fait que ça vous donne en six ans les grands moments puis certains des grands moments que j'ai vécu comme artiste fait que je vous laisse écouter tout ça puis après ça je vous reviens pour la conclusion Je ne sais pas comment vous le vivez. Euh, bye bye, bonne fin de soirée, Jacinthe. Euh, mais quand je regarde ça, euh, je suis remplie de gratitude. On va en parler la semaine prochaine. Mais je suis remplie d'espoir aussi que le bout de chemin en six ans que j'ai fait, puis les aspirations, les grands désirs que j'ai euh, de ma carrière dans le monde de l'art, ben que ça va se réaliser. Euh, je me dis en six ans, si j'ai réussi à faire tout ce que vous avez vu dans la vidéo. Imagine ce que je peux faire plus tard. Fait que, euh, bref, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de l'écoute. Si vous voulez revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube, euh, la vidéo est en ligne. Vous allez pouvoir la réécouter. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Puis euh, donnez-moi vos commentaires. Je suis là pour les prendre. Puis je suis là pour vous donner du contenu qui va vous plaire. À bientôt. Bye bye.